remets un petit chocobo. Et coucou aux arrivants, on est toujours sur Banishers Ghost of New Eden. C'est qui a gagné la bataille, c'est Red. Oh là là, il vous a défoncé. Ouais, il y en a. Juste là, je l'aimais pas sur ce jeu. Enfin, il y a des jeux où je l'aimais pas parce que ça gêne. Mais tout à l'heure, je les remettrai sur Skull. Et ouais, il y a les petits chocobo Pokémon ou bonhommes. Alors, on en est où? On en est au parler au gouverneur. Ok. Du coup, on va aller sur la quête principale, qui est la chasse aux sorcières. Le gouverneur fait appel à nous parce qu'il y a une sorcière. Mais en fait, bon, comme j'avais un peu le pressentiment. La sorcière est un sorcier et c'est son fils. Alors bon, il y a des chances que ce soit lui, mais il faut qu'on lui parle. Ah bon, on va d'abord parler au gouverneur. On parle pas d'abord au fils pour être sûr. Hein, peut-être sûr. Hein. Monsieur. Oui, Monsieur McRae. Je dois admettre que cette affaire est très singulière. Certes, mais l'avez-vous résolu? Je crois bien, oui. Mais le coupable n'est pas responsable de l'épidémie. Du moins, pas directement. Avez-vous trouvé la sorcière, oui ou non? Il y a quelqu'un qui s'est adonné à de la magie noire. J'ai son nom. Dans ce cas, qu'est-ce que vous attendez? Son nom ne vous intéresse pas? Ce n'est pas la peine, c'est le principe qui compte. Pas vraiment. Il s'agit de Lamentation Haskell. Non, impossible. Mon fils est studieux, curieux. T'imagines, on lui aurait pas dit. Curieux parfois, mais il ne ferait pas de mal à une mouche. Il a montré un rituel à Caleb Watson, qui s'en est servi et s'est retrouvé possédé. Même si c'était vrai, cela prouverait seulement que mon fils a été exposé à la corruption. Apportez-moi la preuve, bâtisseur. Trouvez la véritable source du mal. Je vous la rapporterai. Comptez sur moi. Je dois trouver votre fils, monsieur le gouverneur. Le plus tôt sera le mieux. Il se laisse mener par sa curiosité. S'il n'est pas là, c'est qu'il fait ses affaires ailleurs. Il a repris une des maisons abandonnées qui s'y trouve. Je les avais fait évacuer lorsque la maladie s'est déclarée. Tenez, prenez la clé. Allez voir par vous-même. Vous vous trompez à son sujet. Vous vous trompez sur mon fils. Inutile de mentionner que je compte sur votre discrétion. Est-ce qu'il va faire tuer son fils si c'est vraiment son fils? Le malheur déjà sur le jeu, c'est qu'il y a une personne... Il était prompt à condamner jusqu'à ce que son fils se fasse accuser. Qui protège-t-il vraiment? On lui apportera les preuves qu'il demande. Si l'ami est coupable, son père ne pourra sans doute pas le protéger. À la base, on doit combattre le cauchemar qui est sur, qui s'est abattu sur, sur New Eden. Et le cauchemar, en fait, qui a été créé, c'est à cause du fait que lui a fait condamner une personne pour sorcellerie et cette femme était innocente, en fait. Et c'est ça la cause de tout leur malheur, mais non, ils recommencent. Bon là, ça sera vraiment peut-être un sorcier, mais... Oh, c'est là-bas. Mais ça leur a pas servi une leçon. Pas du tout. En tout cas, bon appétit les chocobos pour ceux qui sont en train de manger. Mais est-ce que si c'est son fils, si on lui apporte une preuve, est-ce qu'il va vouloir tuer son fils? Est-ce qu'il est aussi horrible que ça? Ah, donc on a la clé pour rentrer ici maintenant, c'est ça? Non, déjà, on pouvait déjà ouvrir. Ah non, clé de portail.
Coucou Tatsuika, bienvenue à toi, comment vas-tu? Il n'y a pas d'être taqué pour les bouboules, les chocobos. Moi j'en entends pas mais... Alors... Il peut en avoir une, non? Pas. Ah t'es bien de la cacher là. Il y en a pas. Bordel de merde! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Quelque chose émane de cet endroit. Je comprends mieux que l'accès soit interdit. Bah vraiment une tuerie, hein. Une pépite le jeu. Vraiment une pépite. Comme t'as des choix qui impactent pas mal la partie, même tes quêtes secondaires. C'est vraiment cool. Hein. Ah, il y a un truc pour se téléporter. Ah, combat. Oh non, pas lui. Tu crois après ça va. Il est que niveau 13. J'essaie, mais il y a des bouboules partout. Ouh. Il est vraiment, vraiment fantastique. Enfin, nous, on kiffe à fond. Le seul défaut que j'ai trouvé, c'est qu'il n'y a pas de mini-carte. Pour le moment, j'ai pas trouvé de défaut au jeu. Et en plus, bah, vous l'avez sur Instant à un bon prix. Et au niveau de durée de vie, bah, si tu farfouilles comme moi, t'en as pour ton argent. Parce que la carte, elle est immense. Il y a plein de trucs à trouver, des quêtes secondaires. L'ami se cache sûrement dans un de ces endroits. Et le lore est fantastique. L'ami ? Après, faut lire les journaux aussi. Hein. Ah, il est là-dedans. Ah, il y a quoi ? Ah, les racines. Peut-être qu'on va apprendre le pouvoir des racines. Encore du lire insidieux. Aussi envahissant que les mauvaises herbes ordinaires. Peut-être que ça va nous faire apprendre... Attends, si on apprend le sort... on va avoir... Des chasses fantômes. On va avoir pas mal d'endroits à refaire. Chasses fantômes. Ah oui, là. Il y a ça aussi. Je sais pour l'avoir. Je peux pas lui tirer dessus de ce côté. C'est que de l'autre côté. Oui, parce que t'as des niveaux et t'as de l'équipement. Moi je suis niveau 15. Puis t'as tout ton équipement que tu peux après améliorer à plusieurs niveaux. Sachant que le max c'est le rouge là comme ça. Et puis t'as des points de compétence. Ah là les choix c'est vraiment... ça, à mon avis ça te change vraiment beaucoup de choses. Il y a un gros choix à faire au début. Un gros pacte. Il était où? Ah ouais, mais c'était là-bas. Pas le pète. C'est pas tout le temps les choix, mais on va dire que... Ah, il y a une boule blanche. Ils sont vraiment sympas.
À mon avis, pareil, je fouille, hein, toujours. Il y a un livre d'herboriste. Et... Ah, mais un petit chemin, là. Luna, viens ici. Le chat. Le chat qui meule parce qu'elle me trouve pas. Y a que deux pièces dans mon appart, elle me trouve pas. Faites des chats. Il étudiait la botanique. Pourquoi ? Ah, la porte était fermée. Il est pas là ? C'est quoi ? Bonne et flore, ok. Il y a des bestioles mortes. Un loup, un renard et un lapin. C'est verrouillé. Il doit y avoir une clé. 18 mai 1692, lettre d'Étienne Roulet. Mon cher ami, comme toujours, ce fut un plaisir de te parler. J'apprécie ton enthousiasme et ton esprit vif. Tu me fais penser à moi quand j'avais ton âge, avide d'en savoir plus sur les grands mystères de notre monde. De tous les mondes, j'aurais aimé pouvoir rester plus longtemps, mais je dois retourner à Providence. Ici, là, voici quelques notes pour étancher ta soif. Ce sont les maigres recherches que mon humble personne a pu mener avec du temps et de la patience. Je crois qu'il est juste d'admettre que nous ne savons presque rien sur le terrible Aralu que seuls de rares ouvrages osent mentionner. S'agit-il de cet enfer mythifié que seuls les plus courageux ont l'audace de visiter et d'en revenir vivants? S'agit-il d'histoires oubliées, de fragments d'une vérité cachée ou perdue? Je ne sais pas. Mais je sais ceci, mon cher ami, toi et moi sommes comme Orphée, prêts à traverser les eaux interdites pour amener notre seul amour, la connaissance. À cartographier ces terres inconnues, franchir le seuil et parcourir avec bravoure ces déserts interdits. Ces rivières gelées dont seuls les plus fous poètes chantaient la beauté. Voir ce qui se tient au-delà et revenir pour en rêver toujours plus. Mais c'est exaltant, mon ami, quel objectif. Si seulement j'étais plus jeune comme toi, je te suivrais dans cette extraordinaire aventure. Pour l'instant, je peux seulement te conseiller d'être prudent. Oui, le seuil entre notre monde et l'autre est plus fin à New Eden. Ce n'est pas pour autant qu'il sera facile de le franchir. D'après mes recherches, certains ont déjà essayé. Des sorciers inférieurs et de piètres sorcières. C'est peut-être pour cette raison que le seuil est si fin, ou que les morts semblent autorisés à errer sur ces terres si facilement. Qui peut savoir? Donc en fait, il essayait d'aller dans le vide, l'endroit où on est allé tout à l'heure. La semaine dernière, alors que je menais mes propres recherches, j'ai clairement senti des vibrations particulières provenant d'un ancien moulin situé au-dessus d'une falaise, en bord de mer. C'est un endroit effrayant pour tout te dire. Si tu veux tenter de trouver un seuil vers le mythique Aralu avant notre prochaine rencontre, tu devrais peut-être commencer par là. Et sois bien préparé, mon cher garçon. Mon vieux cœur ne supporterait pas de perdre un autre cher collègue prometteur. Garde tout ceci secret jusqu'à notre prochaine rencontre. Tes amis en boîte gentille, la plupart ne comprendraient pas la connaissance que toi et moi partageons si joyeusement. Et c'est pas le moulin, on pouvait pas y aller tout à l'heure. Tu sais ce que c'est ? Non, pas du tout. Il a mentionné un vieux moulin. Un endroit qui le fascinait. À mon avis, il va falloir retourner là-bas. Il a mis tout chemin et tout. Ah, bon appétit, Lios. Il y a encore un loup mort. Les incisions sont nettes. C'est du travail d'expert. Elle est faible, mais il y a bien de la magie ici. Et du coffre. On a là. Rien de compromettant. Pour l'instant. Note de l'ami. Cet endroit est encore plus fascinant que ce que j'avais imaginé. Il y a tant de questions qui attendent des réponses. Monsieur Roulet avait raison. J'irai là-bas. J'y mènerai mes recherches sans être dérangé par des voisins méfiants et non scientifiques. Il y a tant de choses à faire. Attends. N'oublie pas ce qu'on a trouvé chez Caleb Watson. Peut-être qu'on ne cherche pas au bon endroit. Si j'avais quelque chose à cacher. Je le cacherai sans doute dans un moulin abandonné. On doit aller au moulin. Alors, le moulin abandonné. On se souvient, il était là. Je vais quand même y retourner à pied. Merde.
au cas où qu'on aurait loupé des bouboules et pour faire un peu de combat pex pour monter un peu de niveau. On va ouvrir l'œil pour les bouboules. Pour être pas mal. J'ai nailé, Selway, Darky, Squall, un niveau de plus. Je me demande ce qui trafique au moulin par contre. Mais c'est pour ça qu'on pouvait pas ouvrir le moulin à mon avis. À mon avis c'était lié. On va devoir tuer l'ami, ça se trouve. On va avoir le maire sur la... sur la gueule. Il va nous pourrir la vie. Bon, ce qui est bien, c'est qu'ici, j'ai déjà le raccourci, du coup. Pas de bouboule, pas de bouboule. Donc, il y a ça qu'on avait oublié. C'est pour ça que je repasse quand même parce que les premières fois que vous venez, il y a tellement de choses à voir. Test de 8. Ouf. La fête continue. Ah, c'est ça. Espace. Est-ce qu'on en a oublié? Ouais là. Ah non, empêche il y en a pas. Ce spectre d'atteindre le cadavre. C'est bon, j'ai géré. Pourquoi un moulin? À l'écart du village. Parfait pour ses recherches. Parfait pour garder des secrets. En tout cas, il n'y va pas pour le plaisir. Et pourquoi pas un moulin? Et pourquoi pas? Coucou Max Tatou, coucou les arrivants. C'est tranquille, comme une belle journée chez moi. Mais c'est plus plat. Ifa adorait jouer avec les agneaux. Blair préférait les nourrir. Anak passait son temps à rêver. Et toi? Moi, je les préparais pour le repas. Les agneaux, je veux dire. Les filles étaient furieuses. Oui, mais elles n'avaient pas faim. Bonjour. C'est un rouge. Ah, on pourrait peut-être se le refaire au passage. On va essayer. Je vais sauvegarder quand même. On pourrait se refaire une vague intensité 2. Donc ça va être plus dur que la dernière fois. On va voir si on s'est un peu amélioré du coup au niveau. Oh ouais, pas mal. C'est bien. Ouais, j'ai 18 quand même. De dégâts contre les ennemis et on leur a intégralité de points de vie, ok. Ah ouais, la vache, la différence. Tu ne devrais pas rester là.
En gros, si tu les tues en un coup, ça va, mais... Attention, j'en vois un autre. Ah mince, un arbre. J'ai vu un truc briller. Prends ça, cadeau. Il est où le truc derrière moi? Elle est là. Est-ce qu'on en a oublié? Ouh. C'est téléporté. Moi aussi, je veux m'amuser. Eh bah... Fais gaffe! Eh bah... Ils sont partout et ils passent devant. Petit souvenir des Highlands. Un 21. Pas mieux 21. Coucou Seb 12. Les arrivants, installez-vous. Il va être dur à tuer lui. Pas toute sa vie. Il va être dur à tuer. Aïe aïe, il a bougé la tête. Fais gaffe. Mais même ça, ça le tue pas. Plus 1 à toutes les attributs. Et ouais. Plus 1 coucou. Comment ça va? C'est la bagarre, c'est la bataille. C'est les fantômes. On va encore faire un niveau de plus, mais c'est bien déjà. Hein. Un de plus. On va de quoi améliorer nos équipements en plus. Bien et bien. C'était ta matinée? Au moins, on a refait un nid un peu plus... Pas baladé pour rien. Allons au vieux moulin. Ce n'est pas encore terminé. Et qu'il lui met une protection. Ah, c'est lui là-bas. Ah, je sais tuer lui en premier, mais un portail collé trop les autres. À l'eau. Mais je ne sais pas ce que c'est. Autrement, je dirais une terrible tragédie, d'horribles incidents ou de sombres secrets. Ah.
C'est amusant, remplacer Rose de Titanic par un chat, ça rend... ça prend presque encore plus de sens. Pas lui. Je les aime vraiment pas. Eux. Ne le laisse pas t'écraser. Prends ça dans bannissement à tout va. Vaincre 50 ennemis avec un bannissement. Oh. Beau petit succès. Comment ça, j'en ai un derrière moi. J'attends ton signal. Ici, ouais, à mon avis, on a déjà fouillé, mais ouais. Au cas où. On voit bien le chat couché sur la planche et prend toute la place. En même temps, j'ai fait la même chose à la place d'elle. Hein. C'est pas une grosse perte. Désolé, j'aime pas l'acteur. Non, en vrai, je pense que c'est plus le poids, mais c'est vrai que c'est mal foutu dans le film. C'est qu'en fait, tu vois la taille de la planche, tu dis, mais c'est con. Mais en fait, je pense que c'est plutôt le poids que deux personnes auraient dessus. Ouais, ça aurait coulé, quoi. Mais c'est vrai que c'est, c'est mal foutu. C'est mal me montrer, mais bon, à part ça, je pense que ça dérange pas trop. Le film a été un succès. Alors, du coup, faut remonter là-haut. On dirait que c'est abandonné. Tu crois qu'il est là? Mais t'es déjà venu. Je peux pas bouger la caméra. Ah, c'est... Du coup, on avait fait un peu déjà, on avait fait les raccourcis, hein. Tout ça s'est fermé normalement. Et ça, l'avantage, c'est que du coup, à partir d'ici, on pouvait pas. Ah voilà, la porte a été fermée et maintenant elle est ouverte. Alors, que se cache-t-il ici dans l'obscurité? Elle était fermée, vous vous souvenez? Cherchons. Donc, on a bien fait de pas chercher plus. Hein. Je vous avais dit, ça se trouve, c'est normal qu'on puisse pas y aller. Collection d'études sur le vide. Ouais, vous voulez aller dans le vide? Ouais, t'aimes pas Jim Carrey. Ah, c'est, il est particulier, hein. Je peux comprendre. Moi, j'aime bien, mais dans Sonic, j'ai pas du tout aimé. Moi. Donc, du coup, le film, ouais, le seul truc qui aurait pu être bien, c'était lui dedans, mais. Non. Essayez de faire le symbole pour aller dans le vide, en fait. J'ai pas vu Menteur, Menteur. Déjà vu. Il a tenté d'écrire plusieurs traductions. Déjà vu. 5 septembre 1690. Note d'Étienne Roulet. J'avais raison à propos du potentiel que cache cette région. Le voile entre l'Aralou et notre monde est particulièrement fin ici et favorise donc les brèches. Peut-être que l'Aralou, c'est le vide. Il appelle ça l'Aralou. La folle ambition des Procter a seulement permis d'éroder encore plus cette fragilité. Pauvres amateurs, désormais ils seront punis pour l'éternité. Cependant, grâce à leur effort, je pourrai en apprendre beaucoup plus sur la Ralou et réussir là où tout le monde a échoué. J'ai demandé au fils Haskell de m'aider. Contrairement à son imbécile de père, il a du potentiel et pourra m'être d'une grande utilité. Ensemble, nous pourrons faire de grandes choses. Ce roulet m'a tout l'air d'être dangereux. Son apprenti a manifestement suivi la même voie que lui. Alors... Qu'est-ce que tu renfermes, toi? Quand je regarde le texte original, je me dis que l'ami n'a pas fait du bon travail. Pas étonnant que le rituel qu'il avait mal traduit pour Caleb
est mal tournée. Un gamin saute que son père avocat arrête de dire des mensonges à Noël. Ça, comme c'est un avocat, tu devines que ça rend encore plus compliqué. Ah, je vois. Chasse fantôme inachevée. Donc c'est lui encore qui fait les chasses. Chasse fantôme. Chasse fantôme. J'en connais un qui était vraiment très prudent. juin 1695, note de l'ami. Je ne peux pas attendre plus longtemps. Père prêche et se prélasse peut-être avec ses conseillers en ville, mais les mots ne sauveront pas ces gens. On a le pouvoir et l'obligation d'agir. On ne doit pas se cacher de peur de ternir notre réputation. Mais père a toujours eu peur de perdre sa réputation, jusqu'à abandonner son art, m'obligeant à le pratiquer en secret. Si mon père ne fait rien, alors moi j'agirai. Il ne dit pas beaucoup de bien de son père. Il se croyait meilleur que lui. Ce qui n'est pas très compliqué, pour être honnête. Ça, allons au dernier étage. Je suis sûr qu'on y trouvera quelque chose. Allez, bim, prends-toi ça. Ouais, j'ai compris, t'inquiète, Red. Ça fait un peu penser à l'idée d'un... Je sais plus c'était quoi le film. Un film... où un homme... Je sais plus pourquoi il obtient ça, si c'est, il trouve un génie ou tu vois, je sais pas trop. Mais qui voyait du coup les personnes par rapport à comment elles étaient à l'intérieur. Par exemple, une belle personne, il la voyait magnifique. Sauf que peut-être d'extérieur, c'était une personne qui était pas jolie, obèse, etc. Enfin, tu sais, les clichés quoi. Genre, les hommes ils sortent qu'avec les belles femmes et tout. Et du coup, il les voyait vraiment par. Ce qui leur représentait, comment ils étaient vraiment à l'intérieur. Tu l'avais vu, il est vraiment cool comme film. J'ai plus le nom. Par contre, je sais pas par où monter parce qu'il y a deux chemins. Red, ah, ça, c'est le secondaire. Ouais, attends, d'abord le secondaire. J'ai pris le bon chemin. Le secondaire en premier. Je sais plus non. Il était passé à la télé. Amulette Takelar. Ouais, j'ai un truc tellement bien que. Ouais, faut que je vois. Je sais pas s'il est sur. Je pense pas qu'il soit sur Disney. Et ça menait à où l'autre chemin? Attends, parce qu'il y avait un autre chemin. Winocade. J'aime bien un peu tout fouiller moi parce que si c'est une boule. Ah non, c'est pour descendre. C'est pour redescendre. Ok, j'ai rien dit. Mais ouais, le nom par contre me parle de menteur, mais j'ai jamais regardé. Après, j'ai pas regardé tous les films de Jim Carrey. Pas de manivelle. Super. Recherche de l'ami. Test 17. Le sujet a immédiatement senti ma présence. Note. Les herbes n'ont aucun effet particulier sur ses sens. Test 18. Encore un échec. Mais il semble avoir été trompé un instant. Test 19. Non concluant. Je peux le duper, mais quand je m'approche, il devient agité. Test 20. Insuffisant. Les ingrédients sont corrects, c'est peut-être les symboles. Test 21. Ça ne fonctionne toujours pas comme prévu. Test 22. Je crois tenir quelque chose, je touche au but. Pourquoi pensait-il avoir besoin d'autant de protection ? Ouais, je crois que j'avais vu le 2, j'avais pas trop aimé non plus, mais bon. Je pense qu'ils ont fait parce que le 1 avait super bien marché et... c'était pas prévu, je pense, à la base, et du coup, peut-être pour encore ça. Encore des babioles magiques. Il voulait masquer sa présence. Ou détourner l'attention. Mécanisme de l'ascenseur. C'est qu'un ascenseur. Pourquoi c'est aussi compliqué? Ça mène peut-être à un autre endroit caché, l'ascenseur. Peut-être que y a une pièce sous terre ou en haut. Ce livre, un truc comme ça. Encore. Le livre d'Agrippa. C'est mauvais signe. Très mauvais signe.
À quel point c'est mauvais signe, exactement? Ce livre promet la vie éternelle. Mais ce n'est qu'un piège. Espérons qu'ils ne s'en sont pas servis. Génial. La manivelle. Parfait. Ah bah depuis tout à l'heure, il y en avait un paquet, il y en avait même des loups. Après, dis-toi que les loups, ils se font aussi tuer par les fantômes, donc bon. 6 janvier 1638, le jour approche. Notre ferveur sera récompensée par le plus grand des présents. Les compagnons se sont réunis, nous préparons le rituel. Ethel et Anton ont des réserves, mais je m'en fiche. La vie éternelle nous appelle. En gros, tu sais, toute la zone, elle est maudite. Même les autochtones, ils vivent pas là. Parce qu'en fait, si tu veux, bah c'est... Ils ont voulu venir en Amérique, tu vois. C'est quand ils commencent à arriver en Amérique. Dans ces coins-là. Et ils se sont dit, tiens, on va faire une ville ici. Mais tous les autochtones, ils savent que cette région, elle est maudite parce que, on va dire, les morts et les vivants sont plus proches. Et du coup, même la nature, tout ce qui est animaux, ils crèvent de base, en fait. Donc bon, les humains les tuent, mais en vrai, la zone, elle est déjà pourrie de base. Il n'y a quasiment pas d'animaux. Hein. Ou alors, ils sont tous maudits, ou etc. J'attends que ça remonte. Ouais. En vrai, c'est beaucoup plus sérieux qu'on le pensait. Peut-être qu'on leur a évité plus de souffrance. Pas seulement parce qu'on va sous terre. Faisons attention. Donc il y avait bien une salle cachée en bas, j'avais raison. Les indices ne sont pas très encourageants. Ensuite, t'es par là, mais là, il y a quoi? Regarde un peu, parce qu'il peut y avoir des bouboules. On est déjà allé en bas, hein. On y est déjà allé. On peut pas tomber. Ah, il y a un coffre caché. Et pourquoi faire une petite zone ici? Je crois que je pourrais finir par me plaire sous terre. Entre les ténèbres, l'air frais. Vraiment? Non, pas vraiment. Pas du tout. Oh oh. T'as pris tes outils de jardinage? Non? Dans ce cas, on continue. Ok, une racine ici. Je pense vraiment qu'on va bientôt débloquer ce pouvoir. Encore une affliction qui sert de gardien. Génial, on va avoir un gros boss. J'adore quand il dit t'as pris tes outils de jardinage. J'ai voir diable et pas vocal, ça monte en niveau. N'hésitez pas, hein, s'il y en a qui ont des questions sur le jeu. Je peux y répondre. J'arrête de répondre sans trop vous spoil si vous comptez le faire. Bon bah c'est parti mon kiki hein. Ah oui, il va y avoir du combat là. Voilà. Est-ce que je dois tuer pour... Ah, d'ailleurs, les protections. Ah, c'est comme chez les... Dans le vide. Oh putain.
se renforce à chaque pilier détruit. On sait, il se renforce. Je peux pas utiliser les pouvoirs comme ça. Je peux pas aller là. Bonjour! Je cherche l'autre pilier. Il est où? Oh purée! Je sais pas où il est l'autre. Je vois pas, et Chocobo, je vois pas. Ah! Faut trouver l'autre, mais je vois pas. Vous l'avez vu ou pas? Ah, il est là-haut! Putain. Par contre, quand ils sont en hauteur, on leur fait plus de dégâts au. J'ai remarqué. On fait plus de dégâts au fusil, du coup. C'était vraiment affreux. Je prendrai peut-être ma retraite quand on en aura terminé. Ouais, ils sont des fois, ils sont cachés en hauteur. Tu le sais. Raid. En fait, ça sert à rien de tuer les petits, parce qu'ils repopent à l'infini, en fait. C'est pour ça que je tape pas les trucs, je me focus vraiment là-dessus, parce que sinon, ça finira jamais. Là, il y a une porte du vide de sorcellerie. Il faut regarder ça pour la quête, mais là on a ça. Toujours aussi impressionnant. Mais ouais, faut bien zioter quoi. Encore des animaux morts. Et différents symboles magiques. On dirait qu'ils ont été utilisés comme appât. C'est comme ça qu'il a détourné l'attention de l'affliction. À mon avis, il a fait ça. Alors nous, on était où? Ah, on est dans une grotte, donc on peut pas avoir. On est arrivé d'où? On est arrivé de là, non? J'aimerais vérifier. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de carte dans les grottes. Ouais, on est arrivé de là. Il y avait un autre passage. Je vais aller voir avant. Parce que là, si on passe par le truc des sorcières, ça va nous amener ailleurs, hein, vous le savez. Donc je voudrais d'abord voir. À fouiller un peu la zone. Rituel de résurrection, premier essai, 22 décembre 1637. Cochon. A survécu quelques minutes. Deuxième essai, le 25 décembre. Poule. Réussite, la poule a survécu beaucoup plus longtemps que le cochon. Peut-être parce que c'est un petit animal qui nécessite moins d'essence. Troisième essai, 27 décembre, une vache, échec. La carcasse était visiblement trop grosse. Génial, ils s'entraînaient à ressusciter des animaux pour après faire sur les humains. Donc à mon avis, il a donné le truc de résurrection à l'autre gars pour voir s'il y arriverait. Ça se trouve, c'est un cobaye. Ouverture de brèche. D'après la tradition, seuls les morts peuvent pénétrer dans le vide et personne ne peut s'en échapper. Mais les tablettes de Musaeus prouvent que des brèches existent pour le traqueur intrépide. Dans les déserts brûlants ou glacés du monde, à travers des nombreuses plaies de la terre ou dans des sites funéraires oubliés ou impies. L'ouverture de telles brèches cependant nécessite moult rituels et forces d'âme, car pour contempler les nombreux secrets du vide, le traqueur doit contourner ou affronter les gardiens de ses portes. Appelé Pétu, gardien en langue ancienne, ses protecteurs asservis sont des surveillants insatiables, prenant d'innombrables formes pour accomplir leurs devoirs pour l'éternité. Et parmi eux, les sordides afflictions tordues et défigurées pour mieux servir. Chapitre de Carcassoa, surtout les 3e et 5e, spécifie également que de nombreuses portes peuvent mener au domaine d'un pétu unique, peu importe le chemin emprunté. Le chercheur véritable peut même révéler ou engendrer ses brèches. Mais comment ? Des pièges destinés aux imbéciles se cachent partout dans ces pages, comme dans la plupart des textes interdits aux en parler de ces rituels. Je n'ai nulle hâte d'être dévoré ou pire encore au banquet des immortels seigneurs du vide, d'être transformé en affliction, puni pour satisfaire les galus toujours ravis de faire plaisir à leur effroyable reine. Donc ils cherchaient vraiment à
aller dans le vide. Je vais juste te voir là. Désolée, je n'y arrive pas. Est-ce qu'on peut pas encore aller? Oh! Je suis là, tu sais. Je peux t'aider. Toujours pas? J'ai cru qu'il fallait peut-être tuer ça. Je pense que c'est pour pas que t'ailles la suite, que t'ailles faire la quête principale. Ils ont bloqué. Ils connaissent bien Shaki. La quête elle est là, on s'en fout. Bon, on va aller sur la quête du coup. Alors. Je vais quand même sauvegarder avant parce que... Nous y voilà. Il ne nous reste plus qu'à traverser le vide. Oh, exactement. C'est-à-dire qu'il a réussi, hein. Peut-être qu'il s'est perdu dedans, ce crétin. Voyage dans le vide. Ah, on n'a pas la même cinématique que d'habitude. Ah si, c'est bon. Ça fait un truc un peu différent au début. Des rituels obscurs, une brèche dans le vide, une bizarrerie ambiante. Quête terminée. Ne doit pas être loin. Quête commencée, encre noire. À la limite, encre noire, je pourrais le mettre dans le titre. Chasse aux sorcières, je pouvais pas le mettre. Je vais mettre comme ça pour le moment. Est-ce que ça a spoilé les gens qui savaient pas qu'il y avait des sorts? En crenant, ça va, ça spoile rien. Rien du tout. Je ne peux plus me manifester. Ah, ça c'est pas cool. Il a mis des trucs comme ça. Les monologues adorent repousser les limites de leur connaissance sans tenir compte de la vie des autres. C'est ce qui les rend humains. Il a mis des chasses fantômes dans l'île Nimbe. Dans le pays des morts. Il sait le gars. Tiens, c'est là où vivent les morts. Je vais les faire chier. C'est plein de chasses fantômes. C'est affreusement calme. Pourquoi c'est affreusement calme? Je vous jure. Pourquoi tu dis GG? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas moi. Des chasses fantômes. Il va me falloir un premier. Franchement, je crois que les fantômes, ils vont bien nous aimer. On enlève les chasses fantômes. Toujours premier, Elios. Des spectres. Ils ne nous ont pas vus. Ne fais pas de bruit. Pas de trucs à ramasser là-bas. Théoriquement, dans les limbes, il n'y a pas forcément des trucs à ramasser. On peut se mettre accroupi. Des chasses fantômes. À toi de jouer. On fait pas de bruit. Hein. On a juste tiré dessus, mais on fait pas de bruit. Ah, c'est parce qu'il a mis des appâts. Je me disais, pourquoi il nous attaque pas quand même? C'est, il a mis des appâts. Les trucs violets, c'est des appâts en fait. Comment il a fait pour mettre des appâts sans se faire attaquer?
Rikmo doit se faire attaquer avant de poser des appâts. Bon, ça va, il est plutôt ingénieux, hein, ce petit sorcier. Et il essaie de faire des trucs pas bien, mais... Il est, à mon avis, il doit être vivant. Il y a deux chemins qui mènent au Rhum. Alors, pourquoi on a deux chemins? Il n'y a jamais eu deux chemins dans le vide. Toujours premier. Et Red va-t-il passer deuxième? Et un coffre? Cet endroit me fout les jetons. Le fils du gouverneur est du genre théâtral. En plus, il s'est installé, ça veut dire que ça fait très longtemps qu'il est dedans. Alors, faut savoir que le vide, le temps se passe pas, le passe pas de la même manière dans le vide et dans la vie réelle. Et nous, les sorcières, elles nous ont dit tu passes dans le vide, tu passes. Tu retournes pas en arrière, tu t'arrêtes pas. Et lui, il est en train de s'installer sans même savoir la durée du temps qui passe. La première fois qu'il vient dans le vide. Ça se trouve, on va le retrouver. Il aura pas le même âge. Celui-là est différent. On dirait qu'il est mort de maladie. Il a amené des animaux, mais vraiment des problèmes, lui. Hein. C'est vrai, t'es passé second ce matin. Je savais pas. J'ai pas fait gaffe, pardon, Red. GG. GGGG. Écrit obscur de démonologie. Les apparitions spectrales peuvent être contrôlées ou du moins guidées grâce à certains rituels. Ces rituels doivent être pratiqués avec la plus grande précaution. Un mauvais contrôle pourrait entraîner des effets catastrophiques. Là, on trempe vraiment dans de la magie. Ah, j'ai dû dire GG pour ton niveau, mais j'ai pas dû voir que c'était deuxième. Parfois, je m'inquiète pour toi. Vraiment. Désolé. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Règle numéro 4. Ne jamais toucher quelque chose qui suinte. C'est une autre expérience ratée. Ça vient peut-être du vide. Oh, il a pas changé physiquement. Donc, vous pouvez me voir. Vous nous réservez bien des surprises, monsieur Askel. Et vous donc, une fantôme bannisseuse, incroyable! Et comment m'avez-vous trouvé? Non, peu importe. Heureusement que vous êtes là. J'ai cru que j'allais mourir ici. En termes de cachette, le vide est un bon choix. Oui, c'est un endroit formidable. T'es quel niveau? T'es quel rang, Yann? Un plan? Un monde? Difficile de décrire l'art à loup. Mais c'est fascinant de l'étudier. Dites-moi... Comment avez-vous fait pour passer le gardien sous le moulin? Vous avez utilisé un leurre? Nous l'avons combattu. Ne changez pas de sujet. Évidemment, vous l'avez combattu. Et tant mieux. Je commençais à me dire qu'il voyait clair dans mon jeu. Oh, j'ai tellement de questions. Ce n'est pas une visite de courtoisie, petit. Et c'est nous qui posons les questions. Ah? Oui, bien sûr. Coucou Trappiste, ça a été ta matinée? Eh, bientôt le top 10, Yann. Bientôt le top 10. Il faut qu'on parle de Caleb Watson. Qu'est-ce qui vous a pris de lui donner un rituel de résurrection? La mort de Ruth a vraiment dévasté Caleb. Il était seul et je passais souvent le voir dans son atelier. Nous avons parlé. Il s'intéressait beaucoup à mes études et m'écoutait avidement. Lorsqu'il a appris qu'il pouvait revenir à la vie, il a voulu savoir comment. Ah bah bon réveil et bon petit déj du coup. Vous avez vu en son chagrin une occasion de tester les effets de la palingénésie mineure. Oh, vous connaissez aussi ce rituel? C'est formidable, n'est-ce pas? Ouais, on essaie de le faire. Le vrai rituel, pas la version déformée que vous avez donnée à Caleb. Je sais, je suis désolé.
Je l'ai trouvé dans un exemplaire de De Occulta Philosophia de Cornelius Agrippa von Nettesheim, un ouvrage remarquable. J'ai connu beaucoup d'occultistes renommés, et aucun d'entre eux ne possédait un authentique Agrippa. La traduction et l'impression ont beaucoup altéré le sens du livre. Ça m'étonnerait que votre exemplaire y ait échappé. Mais bien sûr! Le pouvoir est dans les mots, et les miens étaient incorrects. C'est pour ça qu'ils n'ont pas eu l'effet escompté. Oh, c'est fascinant. Il est à fond. Il y a quelqu'un qui est mort à cause de lui, mais s'en fout. Merci pour le follow, Nakama. Bienvenue à toi, comment vas-tu? Ouais, c'est cool, hein. Elle est cool, cette saison, il y a un peu de combat. Vous prenez votre bêtise pour de l'audace. Vous allez devoir vous racheter. Voyons, la recherche de connaissances n'est certainement pas un péché. Vous vous souvenez de Déborah ? Mademoiselle Comenius ? Oui, bien sûr que je m'en souviens. Votre père nous a chargés d'une enquête. Nous devons lui apporter une réponse, quelle qu'elle soit. Ah ! Je crois comprendre ce que vous voulez dire. Il est possible que je sois... légèrement en danger. Visiblement, vous êtes plongé dans vos recherches. Qu'est-ce que vous faites ici, exactement? Je cherche l'origine de l'épidémie qui touche les Hers. Et j'ai une petite théorie sur la question. Évidemment. Je vous écoute. Au début, je pensais que l'eau était empoisonnée. Mais mon père a condamné le puits et les habitants n'ont pas guéri pour autant. Ils ont pensé à de la sorcellerie, un raisonnement d'un culte, mais qui a permis de mettre en évidence une certaine vérité. Voyez-vous, Laralu corrompt New Eden. Son influence se déverse sur les Hers. C'est absolument évident. Bah dans ce cas, le prend pas, hein, Red. Ne prend pas. Quand vous dites Laralu, vous parlez du vide ? Aucun de ces noms ne lui rend justice. Je trouve ça plus joli, le cet vide. Cet endroit dépasse les mots. Laralu, Monsieur Macrais, est constitué de la structure même de nos mythes primordiaux. N'est-ce pas fantastique ? Par contre, Red, pas sur mon chat. Je supporte pas ça, donc j'ai pas envie de le lire, tu vois. Tu le sais, hein. Je t'ai déjà dit, hein, les trucs misogynes, je supporte pas. Comment pouvez-vous être sûr que le vide a corrompu la région ? À New Eden, la frontière entre notre plan et celui-ci est ténue. Même le novice que je suis peut atteindre la frontière et aller au-delà. Je crois également que ça s'est déjà produit. Il y a quelques années, New Eden a été touché par une autre épidémie. C'était la même maladie ? Je pense que la première épidémie venait d'une porosité de la frontière entre New Eden et Laralu. Mais leur maladie entraînait des brûlures physiques, tandis que la nôtre corrompt la raison et l'esprit. Et je crois avoir trouvé sa source. J'ai découvert une substance, une étrange vase. Vous l'avez peut-être remarqué. Je pense que c'est elle, la véritable source du poison des Hers. Elle a une puanteur particulière qui entraîne d'abord chez moi une certaine confusion, puis la perte du contrôle de mes membres. Attends, il a goûté ? Il a dû goûter qu'est-ce pour dire que ça. Qu'est-ce que vous espérez trouver à la source de la vase ? Un remède. La vase suinte jusqu'à notre monde et nous rend malades. Je vais peut-être réussir à l'arrêter. Hélas, je n'arrive pas à atteindre la source. Laralu est un endroit formidable et sournois. C'est un labyrinthe en constante évolution qui change et se transforme. Un peu comme un isthme. J'ai trouvé une fissure d'où coulait de la vase dans le sol. Le terrain s'est ensuite reformé et je ne peux plus y accéder. On devrait pouvoir trouver un moyen de passer pour examiner cette source. Vraiment ? Ce serait formidable.
je peux vous demander de prendre des notes? Vous voyez des fantômes, vous flânez dans le vide comme dans un jardin, vous connaissez et enseignez des rituels interdits. Qui êtes-vous? Je suis l'ami Askel, et je m'intéresse à toutes les sciences. Je suis un chercheur véritable, à vrai dire. Ça amène plus de questions que de réponses. Quels sont les piliers de l'univers? Quels principes soutiennent l'existence? Est-ce que les occultistes changent le monde ou en effleurent seulement la surface? Chaque discipline que j'adopte révèle une nouvelle couche de réalité. Je n'en suis qu'au début et regardez-moi. C'est incroyable, non? Vous n'avez pas trouvé la brèche du vide sous le moulin par accident. Quelqu'un vous a mis sur la piste. Qui? J'ai fait mes recherches. Vous n'êtes plus aussi loquace, tout à coup. Je préfère ne pas impliquer les absents. Question de discrétion, vous comprenez? Votre père est convaincu qu'une sorcière a empoisonné son puits. Le rituel que vous avez donné à Caleb Watson l'a damné. Vous devriez être plus prudent. Pour contrer le diable, il faut apprendre ses tours. C'est la plus pure des tâches du Seigneur, comme le dit toujours mon père. Ah, je l'imagine très bien dire ça, oui. Quand j'avais 10 ans, il m'a initié à la démonologie. Il me voyait comme son héritier. Et puis, du jour au lendemain, je n'ai plus eu accès aux livres. Alors je les ai volés. Ces livres qu'il me forçait à lire enfant, je les comprenais, et pas lui. Je n'ai rien fait de mal, à part un menu larcin. Vous avez étudié la démonologie. Vous l'avez fait tout seul? Lorsque mon père m'a interdit de continuer, je vous avoue que je lui ai désobéi en secret. Ces bouquins ne m'intéressaient pas. Jusqu'à ce qu'ils soient interdits. Ah bah bravo. À partir de ce moment-là, je ne pouvais plus m'en passer. Curieux, n'est-ce pas? Plus récemment, un bon ami de mon père m'a montré que je n'avais fait qu'effleurer la surface. Qui était l'ami de votre père? Un Français itinérant, qui est souvent passé à New Eden ces dernières années. Il se qualifie de chercheur véritable. C'est un penseur prolifique et inspiré. Mon père était si fier d'être cité dans son discours. Pour lui, la connaissance est ce qui mène à la grandeur, et c'est ce qu'il recherche. Moi, c'est la connaissance que je recherche. Allons voir cette vase d'un peu plus près, alors. Et maintenant que l'affliction a disparu, je peux partir. Soyez prudent. Et si vous avez besoin de quelque chose, faites comme chez vous. Laralou n'est pas chez nous, ni chez vous, l'ami. Mais merci. Ça va mal finir, Pardonnez mon enthousiasme morbide, Madame Duarte, mais puis-je vous poser quelques questions? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Est-ce que vous avez encore besoin de manger? Excusez-moi, c'est que... Vous êtes le premier fantôme que je rencontre. Ne mange pas, dors pas. Je ne mange pas. Pas comme vous. Et je sens la faim, mais... Pas comme vous non plus. Il va peut-être mourir, lui. Hein. Et vous pouvez toucher des choses? Les sentir? Et les couleurs? Elles sont comme dans vos souvenirs? Mes sens sont différents. Ah, c'est difficile pas comme nous. À décrire. Je peux voir... Parfois touché, mais pas sentir. Fred me dit que j'ai de la chance. Comment vous manifestez-vous parmi nous? Vous vous sentez lié à cet endroit ou vous l'avez choisi? C'est comme si... je m'accrochais à une corde, au-dessus d'un abîme. Même si je voulais lâcher, je ne pourrais pas m'y résoudre. Ah, y a pas de souci, Red, après j'ai pas eu le temps de tout lire, désolé. Les compétences de bannisseuse, vous pouvez les utiliser? Je lis tous le truc là. Les accessoires que vous fabriquez, ils ne se retournent pas contre vous? Les marques que j'ai sur les mains et les anneaux que j'ai aux doigts ne sont pas vraiment là. Ils ne sont rien de plus que des souvenirs. Pouvez-vous parler à n'importe quel fantôme? Non. Je sens la trace de leur présence. Pour leur parler, je dois quand même faire mon travail. Et pourtant, nous pouvons parler. Oh, c'est formidable.
Les morts sont rarement aussi éloquents ou conciliants. Ils sont d'ailleurs plutôt rustres. Je crois qu'il faut qu'on y aille. Une autre fois, hein ? Mais nous n'avons fait qu'effleurer la surface des plus grands mystères. Regardez autour de nous. Nous avons dépassé l'ultime frontière. Et on peut plus, oui. Excusez-moi. Je voulais dire... Oui, Madame Duarte. Il en peut plus. C'est pour ça qu'il y avait un autre chemin, en fait. On pourrait y aller, là, maintenant. Antea, on y va. Alors, comme ça, le modeste fils du pieux gouverneur serait la fameuse sorcière des Herses. Plus le puissant a de pouvoir, et plus il est dangereux. J'ai pas trop quoi répondre. Les deux étaient pas mal comme réponse. Je ne suis pas sûre de croire à la théorie douteuse de l'ami, mais je sens quelque chose d'étrange. Et je crois que c'est la vase. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Je vais marcher dessus. Oh, mon Dieu. Oh, c'est dégoûtant. J'aurais besoin d'un petit coup de main, là. Parce que c'est ce truc, mais c'est dégueu. Oh, la couleur est jolie. Oh, Raiders. C'était vraiment pas agréable du tout. Quelque chose me bloque. Des chasses fantômes. Génial. On va mettre de partout des chasses fantômes. Là, il y en a plus. Détruire ces chasses fantômes. Bah, j'aimerais bien. Si tu veux que je revienne. Je demande que ça, hein, mais il faut les trouver. Ah merde, c'est par là. Ouais, mais après, je sais pas trop comment il calcule ça, enfin, il découvre ça. Voyez-vous ? Il est où ? Il est là. Le chasse fantôme ne fait plus effet. Caniche ? Intelligent, caniche. Oh merde. Je peux t'aider. J'avoue. Je savais pas que c'était intelligent, caniche. Dur, comme une blessure purulente. Ah, oh, charmant. On doit faire. Voyons voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ah, on est obligé d'aller de l'autre côté de ça pour. Ok. Ou Tiotelis, bienvenue, merci pour le follow. Voyage dans le vide, j'imagine. Là, ils ont mis un rituel gratuit. Peut-être au cas où que les gens ils ont pas de trucs, comme tu peux pas sortir d'ici. Où est-ce qu'on est ? Sous terre, on dirait. Merveilleux. On est au niveau du bateau.
mais c'est pas le bateau, on pouvait pas rentrer, vous vous souvenez? Non, c'est pas lui. Si, peut-être. Il y a deux endroits où on pouvait pas. Non, c'était l'autre bateau. À mon avis, il y a des endroits qu'on essaie de faire. C'est lié à cette... Après, il y a tellement de races de chiens, j'ai envie de te dire. Après, ça joue peut-être pas à grand chose, tu vois, entre les... Peut-être que le top 10, il est collé serré, tu vois. Ce truc affecte aussi l'incarné. Hein? Qui va là? C'est une personne, mais elle est avec le... Elle a le truc sur son corps. Ouais, mais un fantôme avec un truc bizarre. Mais je crois qu'on n'est pas seul. Ouais, c'était un fantôme, mais fait avec cette substance. Non, on n'a jamais vu. Et qu'est-ce que tu es, toi? C'était quoi, ça? L'innocence anéantie. Oh merde. Attends, attends. Tu viens de dire merde, toi? Je le sens pas, je le sens pas. C'est plus grand que ce que je pensais. Est-ce que c'est une maison des Hers? On est peut-être sous le puits. Pas étonnant qu'ils soient tous tombés malades. En dessous de la ville. La ville, elle est là. Ah oui, parce qu'on est en dessous de l'eau. Donc peut-être que c'est l'eau du puits, elle vient là. Et regardez la gueule de l'eau. Je m'étonne qu'ils soient tous malades après. Et un feu de camp carrément. Carrément, carrément. En haut comme en bas. C'est ça le nom de l'anneau, en haut comme en bas. Acte de coton, mais et la femme étonnée avouait que c'était vrai, qu'elle-même et les autres personnes nommées dans ce discours extraordinaire avaient des liens avec le diable. Quand on lui demanda si elle avait conclu un pacte avec lui, elle répondit que non, mais qu'elle avait promis de le suivre quand il l'appellerait, ce qui arriva à plusieurs reprises. La boîte de Pandore. Depuis que Pandore a ouvert la proverbiale boîte, libérant toutes les malédictions sur l'humanité, les épidémies sont souvent considérées comme une punition ou une épreuve imposée par les dieux. Coincés dans leurs principes étriqués, les scientifiques réfutent cette vérité et préfèrent chercher des causes naturelles aux nombreuses conséquences de ce sacrilège. Comme souvent, la réponse est ailleurs, entre ces concepts opposés et en même temps au-delà. Indubitablement, toutes les épidémies ne proviennent pas d'une brèche dans le tissu de l'incarné, mais la régularité, la périodicité et la malfaisance de tels incidents dans le monde entier sont autant de preuves de l'existence de cette brèche et de son influence. Lara Lou, le grand en bas, après tout le véritable nom de Pandore n'était-il pas Anésidora? Les soigneurs, docteurs, prêtres et sorcières, tous devraient chercher ces signes comme le fait le chercheur véritable. Car jusqu'à ce que ce soit refermé la brèche du vide, soit un temps de présent du monde souterrain, ils demeureront comme des fourmis cherchant à éteindre un feu de forêt. Tant que des zélotes aveugles arrêteront et pendront des sorciers et adorateurs censés colporter la maladie,
Ils demeureront tels des moutons, confondant les chiens de berger avec les loups. Offrant ainsi des opportunités aux chercheurs véritables pour enquêter sans être remarqués, j'imagine. Je vais adorer chercher cette bouche malade près de New Eden. Etienne, c'est Etienne Roulet là. ER, ça va être lui. Je l'ai senti aussi. En gros, le gars il cherchait à arrêter tout ça. Mais il profitait qu'il y ait des fausses. Enfin, des gens qui soient tués pour sorcellerie alors que c'était pas vrai. Pour faire ses recherches. Fred, regarde. La vase, elle suinte à travers la pierre. Ah, j'ai trouvé une. Sourcier. De toutes les maisons, seule celle-ci s'est effondrée. C'était peut-être personnel. Tu crois que la vase a attaqué cette maison? C'est évident. Regarde autour de toi. Note au Gibbs. Gibbs, merci pour votre mot. Dieu lui-même sait que les temps sont durs. Je comprends que vous n'ayez pas pu honorer la commande de grain. On est plus ou moins dans la même situation et suite à la mort de notre dernière bête, on va devoir annuler votre dernière commande. Vous trouverez 6 juin le solde de notre compte qu'on peut considérer comme fermé, en attendant que les temps soient meilleurs, que Dieu nous sauve de cette malédiction. Cette maison appartenait à Antipas et Clemency Gibbs. Ça me parle, Gibbs. On a parlé à un Gibbs. Monsieur et Madame Gibbs. Un souvenir. Avez-vous lu ma lettre? Je l'ai lue, oui. Après quoi je me suis lavé les mains et j'ai prié notre Seigneur. Vous affirmez pouvoir prouver qu'il n'y a pas de malédiction. N'est-ce pas exactement ce que dirait une sorcière? Partout où les gens se regroupent pour vivre, la maladie apparaît. Et je crois que... Et que faites-vous? Vos mensonges démoniaques doivent être éliminés. Nous savons qui vous êtes et vous serez jugés, sorcière. Ils voulaient en faire leur victime. Elle a essayé de faire appel à leur raison, mais ils ont tout rejeté en bloc. Alors Déborah, c'est celle qui a été jugée pour sorcellerie et tuée. Alors que c'était pas le cas. Et c'est à cause d'elle, enfin, elle est devenue le cauchemar, quoi, du coup. Comme elle était innocente. Je suis là, tu sais. Y'a quoi là-haut? Ici, on a un. Ah, y'a un coffre. C'est quand même bizarre d'avoir un feu dans la grotte. Il y a quelque chose, c'est proche. Madame Gibbs, je suppose. On peut aller là. Ah ouais, ok. Voilà. Oh. Je sais pas s'il part des bouboules ici. Il y a ça. Ici.
Ok. Qu'il n'y ait pas de bouboule. Ok, on est revenu là. Encore le monsieur en rouge. Qu'est-ce qu'elles veulent ? Vous avez désavoué vos filles. Red, quelque chose m'empêche de me manifester. Ici ? Ah, merde. Des chasses fantômes. Je ne peux pas me manifester. Et bah, j'ai compris. Va te cacher n'importe où, hein. Va chercher. Là, il y a une boule. Là-bas, il y a une boule blanche. On pense à la prendre, à moins que je puisse nommer. Ah si. Il y a un chasse-fantôme. Qu'est-ce qu'il fait là ? Les savants, ces vertus à ruiner les foyers du à tout à l'heure, Red. Bon, je pense que oui, on sera encore là. Hein. On n'a pas encore été sur. Merci. De rien. Gueule. Inspectons le corps avant de continuer. Les doigts dans le nez. Et les bonnes manières alors. Il y a un truc. Ah non, c'est juste. Oh oh. N'en attendez pas moins de vous. De Clemency Gibbs. Askel et son troupeau sont là. Ils ont fui leur maison, on a de la place pour tout le monde au Hearth. Il y a de la moisissure sur le mur près de la porte d'entrée, je vais la gratter. La moisissure est devenue noire et suinte entre les planches. Les récoltes sont mauvaises. Le gouverneur et sa bande de faibles d'esprit ont amené la malédiction. Seigneur, délivrez-nous. La chose noire est partout. Les gens tombent malades, ils ont du mal à respirer et saignent de tous les orifices imaginables et même d'autres. Le diable crache sa haine et nous inonde. Je me souviens rien d'il y a 7 ans, quand le fléau nous a touchés la dernière fois. Je prie pour que Dieu nous accorde à mon mari, Antipa et moi-même, Clémency, la sagesse pour dénoncer à nouveau la sorcière. Dieu ne nous aidera pas, car le gouverneur utilise la magie. Son fils, dont je me souviens pas du prénom, l'idiot, il a mis un totem païen chez moi. Je l'ai détruit. Elle a détruit le truc anti-fantôme qui l'a protégé. C'est pour ça qu'elle est morte. Elle s'est suicidée du coup, la pauvre. Coucou Kalkoala. Antipa m'a dit d'avoir vu Askel jeter quelque chose dans le puits. Puis la terre a tremblé. Qu'est-ce que les Askel manigances? En fait, lui, il faisait des Clément trucs pour les protéger, mais bon. Une sorcière d'être à l'origine de l'épidémie, venue de New Eden avec le gouverneur. Ce n'est pas ce que disait la femme qu'ils ont accusée.
Les Gibbs n'étaient pas adeptes des explications rationnelles. Quelle cruche. C'est chiant parce que pour se... pour s'y retrouver... dans ce bordel... Ça va, Colcoala? C'est une bonne matinée. Ah, bon app à ceux qui mangent encore. Il y en a qui mangent pas à midi. Et je vois un truc là, mais je sais pas si on peut le faire. Ah, c'est gentil pour un ninja. Si jamais t'as des questions sur le jeu, t'hésites pas parce que c'est vrai que. J'ai mis les rediffs sur YouTube parce que c'est un jeu à histoire. Ah, il y a un TP là-bas, pour faire tout. Par où je dois passer, par contre. Je sais pas si c'est le bon chemin. J'arrive à me perdre sur un tout petit truc. C'est par là. Par... pas par là. Oh. Non, je me trompe de chemin. Ah, mais attends, je peux casser ça. Les doigts dans le nez. Mais les bonnes manières alors. C'est un raccourci, c'est bon. Mais c'est pas là. Nanana. Et chier. Après, attends, mais c'était où? Là. Ah. Attends, je peux pas grimper. Non, c'est pas... oh le bordel. Je peux pas grimper où on veut. C'est par où? Jacques, c'est par où? Ah, c'est par là. C'est par... par là. Ah là, c'est ça. Il y a deux chemins. Les avares périront et leur certitude sera anéantie lors du jugement des dieux. C'est là. C'est un sacré labyrinthe, surtout quand tu veux tout trouver. Tu vois quelque chose? Soit la nappe est pleine de vases, soit il y a une autre source. Allons jeter un œil en amont. Je peux taper ça? Ah ouais. Un aveugle peut-il manquer un autre? Ne risque-t-il pas de tomber tous les deux? C'est Gibbs qui nous parle. À mon avis, il y a des chances que ce soit elle. J'attends ton signal. Truc là-haut. Là-bas, Red. Sale petit sournois. Et du violet là, comment j'y vais? Là. Allez, on y va.
Et un totem de plus. Plus 10 points de vie. Celle de l'incarné. Ah. Statuette. La deuxième du sorcier. En général, il en faut 3, mais. Les animations, elles sont vraiment magnifiques. Pas sans le jeu. Pas les pieds là-dedans. Fais attention. Je vais faire le tour alors. Des chasses fantômes. Il va me falloir un coup de main. Ce sont des échos qu'on entend ou est-ce que les gens parlent? Elles apparaissent toujours près de la vase. Les murmures aussi. Mais qu'est-ce qui est apparu en premier? Il y a plusieurs chemins là-bas, il y a un truc à casser. Là, c'est quoi à faire en premier? Ah, déjà, il y a un truc à péter là. Peut-être un raccourci ou la suite. Chemin. Ah. La troisième sourcière, elle est là. Et ça, ça ramène ici. Ok. Un rond. On a récupéré les trois de sourcier. Ah, ignoble. Les murmures répètent la même chose, encore et encore. Quel genre d'entité pourrait être aussi obnubilée? J'en sais rien. J'ai un trou de mémoire. Vous délivrez du mal. Ce sont vos prisonniers qui seront lancés sur vous. C'est ce qu'on a fait tomber. Il y a un truc qu'on a fait tomber. On a tiré dessus, mais. Appelle-moi si tu as besoin. Non, non, trop tard. J'ai pas eu le temps. Il a un... Il a commencé à réveiller. Ouais, trop tard. Peut-être quand ils ont le cercle au-dessus là, il faut vite les tuer parce que sinon ils prennent le contrôle d'un truc plus gros et plus dur à tuer. Pas y aller. Ah, il veut pas que j'y aille tant qu'on n'a pas fait là. Ok. On voulait d'abord fouiller mon bébé. Ça m'a l'air tout à fait potable. Tu m'en diras tant. Pourquoi le poison ne s'est pas répandu dans la nappe phréatique? Peut-être qu'il bouge et qu'il se transforme, comme le vide. Ah, il est là le truc. Au moins ça bouge. Visiblement, la vase vient d'une autre source. Donc on peut enfin aller là? Ouais. Plus efficace que la poudre à canon. La suite est par là, là y'a quoi?
Il y a tellement de choses cachées. C'est d'être le plus minutieuse possible, mais... Ah, bah il y a les trucs violets. On a ramassé les trois statuettes, c'est pour faire ce truc-là. Donc on les a trouvés avant. Quelque chose de mauvais est lié à cet objet. Donc ces trucs-là, c'est bien de les faire parce que ça donne de l'équipement. Mais il y en a certains, j'ai pas réussi à trouver le dernier et on va y retourner. Parce que ça, ça vous est pas Partez, indiqué sur la carte, faut vraiment trouver. Ça nous a donné quoi? Tête de la mort. Une broche. Ouais. Pas trop mal. La troisième attaque au point réduit de 5 secondes, le temps de rechargement des manifestations. En vrai, c'est pas mal aussi. Hein. Kiff kiff. Je sais pas du tout lequel prend. Coucou Gilles, coucou Stéphleur. Jusqu'à la moelle. Et tu ne t'en rends compte que maintenant. Si je voulais ton avis, je te le dirais. Ne disputez pas. Si tu me laissais l'exprimer, on s'en porterait mieux tous les deux. Pas de dispute de couple. Pas de dispute de couple, mon avis. En même temps, ils se disputent jamais, il fallait bien que ça arrive. En chair et en os, pas simplement une ombre. Je sais pas qui c'est, mais il s'est fait avoir par la vase. Qu'est-ce que t'en penses, Antea? Tu voulais que je te laisse exprimer ton opinion? C'est ce que je fais. Voilà, Boud, bravo. Ah, bravo. Antipas Gibbs, probablement. Sacrée chute. C'est quand tu veux, Antea. Tu crois que je fais quoi, là? Sur les terres de Dieu. Comment a-t-on pu inviter une sorcière parmi nous, qui plus est pour instruire nos enfants? Ça n'a rien d'étonnant. New Eden grouille devant rien, tout particulièrement le gouverneur. Oui, il lui aura fallu beaucoup trop de malades et de morts pour agir. Mais tout n'est pas encore joué. Nous devons défendre la cause du Seigneur et chasser le diable pour de bon. Nombre d'entre nous attendent le jugement de la sorcière et son exécution. Je peux t'aider. Quoi, ces monstres là? En tout rouge. Coucou, rejetons du chaos. Ah, c'est les Lumaris, ils sont qui passent. Jamais la leçon. Ce n'est pas encore terminé. Ils
Moi aussi, je vais m'amuser. Ces choses venaient de la vase. On aurait dit les espèces de métamorphes orientaux qu'on a affrontées à Brême. Les Obake se liquéfient. Ici, c'est différent. La base a réagi à notre présence. Le juge a condamné les innocents. Le juge est coupable. Coucou Joker! Merci pour les 2 mois de soutien. Comment ça va? Ça a été ta matinée, merci beaucoup pour le soutien. Désolé, j'étais en plein combat. Mais sur la quête principale, du coup. Pour rien louper. Sinon après, on comprend plus. J'ai Nemesis, Charisme, Dark Squall et Papy. Un niveau de plus, c'était. Comment ça va, Papy? Je suis la peur qui les accable. L'équipe s'était pétrie de colère, de la bigoterie dans toute sa splendeur. Peut-être qu'ils étaient affectés par la vase. Tu sais, on se dispute depuis qu'on est là. Il y a quelque chose. C'est vrai que d'habitude, ils se disputent pas. Je pense que ce sont eux qui ont engendré la vase, pas l'inverse. Peut-être que comme. Peut-être que quand ils sont morts, ils ont créé cette vase. Et ça pourrit, ça, et tout le monde se dispute à cause de ça. Ah bah bon appétit à toi, bon appétit. C'est vrai que notre perso, d'habitude, il se dispute pas, hein. Et là... On n'a pas terminé. Ok, je viens là d'abord, si tu veux. La voilà. C'est la source. Comment on va l'atteindre? Vous avez tourné le dos à l'amour. Regardez ailleurs lorsque le besoin était le plus fort. Du silence et un feu de camp. Exactement ce que le docteur Duarte a prescrit. Elle est vraiment en dessous du village là. On a quand même fait deux feux de camp. Quelque chose m'a dit que c'est le puits condamné. Tu crois que tu pourrais faire tomber ce seau? Tu parles d'un vrai seau? Ah oui, pardon. Ce que vous avez semé, vous le récolterez. Seul. Je sens l'écho vivace du souvenir d'un fantôme. La suite est là-bas. Mais qu'est-ce qu'il y a ici? Je peux pas monter. C'est bizarre. Ah, c'est parce qu'il y a un truc. Il y a un souvenir vivace des morts, non loin d'ici. C'est pour ça que je pouvais pas encore monter. Elle est encore possédée par le diable. Nous sommes maudits, et vous essayez de gagner du temps. Clémence Antipas, je vous en prie. Elle a été emprisonnée. Comme le veut la coutume, elle sera jugée, et justice sera rendue à cette communauté. Et c'est quelqu'un qui trempe dans la magie qui dit ça. Mais peut-on vraiment se fier à votre discernement ou celui de votre démonologue? Comment osez-vous insinuer un tel blasphème? Je suis un homme de foi. Alors faites ce que Dieu vous ordonne. Nous demandons à être en sécurité, monsieur le gouverneur. Sans ça, il y aura des conséquences. Urim et Thummim. Un ensemble d'Urim et Thummim, outil de divination et de cléromancie censé révéler la volonté de Dieu. Le gouverneur a utilisé l'Urim et le Thummim, et ça a éveillé les soupçons chez ses fidèles. Des pierres de divination. Il a dû les jeter dans le puits quand il l'a condamné.
Mais pourquoi maintenant? C'était sans doute pour cacher les preuves de son rôle dans le procès de la sorcière. Elle le reliait à la démonologie dont il s'est servi pour renforcer son autorité. Cet écho prouve que les choses ont dégénéré. Pour la sécurité de son fils et la sienne, Askel craignait sûrement une réaction de la foule. Pas de bouboule. J'espère qu'il n'y a pas de bouboule en bas parce que sinon... Quand on en a fait une en bas, je crois. On s'appuie le boss, hein, je vous dis. Désertion totale. Aucun soutien. Ça pue, boss. C'est pas bon, ça. Ouais. C'est pas bon. Il y a une plume dans le truc. Elle va peut-être la prendre plus vite, la plume. J'aime pas trop ça. Oh oh. Faites avancer les accusés. Il y en a deux. Qui êtes-vous? Vous, qui êtes-vous? Eh non, c'est pas du sang. Faites-les parler. C'est la vase qu'on étudie depuis tout à l'heure. Bon, après, il y a peut-être un peu de sang dedans, mais. Pas que. Edror et Macris, vous avez du sang sur les mains et votre cœur est faible. Coupable. Vous avez juré de vaincre le mal. Et vous avez conspiré avec des sorcières. Vous avez juré de bannir tous les fantômes, mais vous vous associez à l'un d'eux. Cet accusé de lâcheté, de trahison de votre serment et de tromperie. Cet jugé coupable. Votre sentence sera la souffrance éternelle. Une âme unique. Je ne suis pas chasseur de sorcières. Je n'ai jamais été. C'est moi ça. C'est vraiment un combat. C'est quoi ce truc qui vient de sortir de l'ombre? Ça fonctionne. Continue. Je plaisante pas, moi. Ne laisse pas la vase retourner à son ombre. Oui, bah... En gros, la vase, elle soigne l'ombre. Et j'ai même pas le temps de... esquiver. Cela appartient au passé. Ce n'est plus qui je suis. Ouais, là, c'est un beau combat. Mais les boss, ils sont stylés, hein. Levez-vous pour écouter votre sentence. Vivante,
vous bannissiez des fantômes parasites. Maintenant que vous êtes morte, vous osez rester. N'avez-vous pas honte? Vous êtes égoïste. Je vous condamne à la colère, au regret et par conséquent à l'oubli. Je n'ai jamais voulu ça. Je déteste ce que je suis devenue. Facile à battre elle parce que mes pouvoirs sont et je peux pas la bannir. Enfin, ça vous voulait pas. J'ai un équipement qui fait que je suis plus forte au combat avec Antea. Vous êtes coupable d'empoisonner le corps politique. Vous vous présentez en sauveur envoyé pour nous libérer. Et êtes-vous artifice occulte? Le mal ne fait qu'empirer. Vous êtes des sorciers. Et les sorciers doivent mourir. Antea est morte pour aider New Eden. Et on combat encore cette malédiction! Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire de plus? Saleté d'ombre! Justice pour tous, vaincre la famille. Wouhou! Il était beau ce combat, hein? Je suis contente d'avoir farmé les niveaux quand même. Nous avons prononcé notre jugement. On en a chien. Les coupables sont connus. À nous de rendre justice désormais. La texture Helios, ça peut pas être du sang, c'est trop compact. Ouais, ça disparaît en plus maintenant. C'est trop compact. Tenue bénite et trop du Léviathan. On peut s'en aller s'il te plaît. On a eu une tenue qui a l'air plutôt jolie. Avec laquelle le gouverneur a signé la reine mort de Déborah. C'est pour ça. Alors. Elle est jolie aussi. Mais je trouve que celle-là lui va mieux. Je peux améliorer l'arme. J'ai eu quoi ? Nouveau. Du Léviathan. Ah, ça peut être pas mal par contre. Ah, juste que je l'améliore. Quand il y a une petite flèche comme ça dessus, c'est qu'on peut améliorer, mais il faut aller à un feu de camp. Oh, il m'a donné 3 accrétions du fléau. Merci Elios, l'un qui suit. Quelque chose. Hein. Une boule, vous me dites comme d'hab.
Tinkokai. T'as bien effrayé au milieu. Il s'est bloqué dedans. C'était vraiment horrible. Ce procès, c'est comme si Déborah voulait nous faire vivre ce qu'elle a vécu. Et le seul résultat, c'est que je me sens terrassée. Je me sens impuissant. Comme si on avait toujours un coup de retard. La justice a échoué. Mais bien sûr. Je sais ce qui s'est passé. Il y a un nom pour ce genre de spectre d'injustice. C'est une infamie. Je ne les connais qu'à travers les livres. Elles sont si rares qu'on les considère généralement comme des légendes. Tout ça à cause de la lâcheté d'Askel. Pour sauver sa peau, il a condamné une femme qu'il savait innocente. Et un terrible fantôme a vu le jour. Et les maladies se sont enchaînées. Askel a tellement de comptes à rendre. Eh ouais. Du coup, c'est pas un cauchemar, c'est une infamie en fait. Encore pire que le cauchemar. Joli ici. Oh non, on va pas tarder à aller en mer, mais je voulais finir ça parce que ça aurait été con de couper en plein milieu de ça. Mais il est prenant ce jeu. Il est vraiment prenant. Bon, j'ai encore des cartes au trésor à faire. Hein. Franchement, je vois pas trop où elles sont, mais. Je sais pas si on va faire le jugement aujourd'hui. Ça dépend si on est obligé de faire direct aller voir Askel ou si on peut. Ça la prochaine fois. Chose de caché. Ah mais il y a une... On est où? Ah il y a un truc fermé là, allez voir. Attends, on va aller voir. Hein. Kouménil, Fougion. Truc fermé, on est d'accord. On y est peut-être déjà allé, hein, je sais pas. Parce que c'est confronté le gouverneur la suite. Il y a une bulle. Elle est là. Il y a une bouboule. Et les coffres bleus aussi font des sons. De sorcière. Ça peut devenir du coup. Et ça se trouve, ouais, le gouverneur. Peut-être falloir le tuer. J'attends ton signal. Il y a beaucoup de morts. En fait, ça va, les gens qu'on tue en général, pas vraiment des saints, donc ça va encore. Tu sais qu'au début, quand tu fais le pacte, tu dis oh, j'ai devoir de tuer des gens. Mais en fait, ça va. Disons que ça compense un petit peu. C'est moi ou. Je l'ai senti aussi. Ah là, il y a un truc. Comment on y va? Il y a un coffre fantôme.
je ramasse toujours tout parce que... Je peux aussi les revendre quand j'en ai trop pour acheter aux marchands des fois il y a des tenues, des trucs comme ça. Ah si, c'est un truc... fermé. Je voulais vérifier qu'il n'y ait pas de bubule. On sait jamais. C'est qu'ils aient mis une bubule cachée. Tellement capable. Chemin. Chemin qui mène au Rome. Offre. Ils sont vraiment cachés des trucs partout. J'étais obligée de monter là pour casser le truc qui bloquait l'ascenseur. Là-bas, il y a un autre. Pour nous faire voir qu'il y a un coffre en bas. On l'avait pas vu. Moi, je peux. Ah oui, parce que c'est déjà descendu. Ça. Il est déjà en bas, forcément. Ce qui s'est passé au fond de la grotte, c'était. J'étais tendu, impatient. Moi aussi. Cette infamie nous tape vraiment sur les nerfs. J'ai senti des années de colère me traverser. Et je me souviens même plus pourquoi. Moi non plus. C'est l'effet de l'infamie. C'est fini maintenant. On est là. Je t'ai dit des horreurs pour te faire du mal. Je suis désolé. Je te pardonne. Et j'espère que tu veux bien me pardonner aussi. C'est mignon. C'est mignon. Bon. Je propose de confronter le gouverneur la prochaine fois et d'aller sur Skull. Ça vous va? Si je le confronte maintenant, il peut avoir pas mal de cinématiques qui durent, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, ça? Alors, démo en même temps. Je vais juste améliorer mes armes. Vous me dites si ça vous va. Mais on a bien avancé, ouais. Hein. L'air de rien. La première partie, on a surtout fait de la recherche, mais... Est-ce que ça vous va? Amélioration. Diable. Ah, légendaire, j'ai pas beaucoup, on va voir. Oh, je peux le mettre au max. Du coup, je peux plus améliorer moi. La tenue, je sais pas trop. On peut l'améliorer. Ah, si on peut améliorer un. Une gemme d'élite. Proche de la mort, je voulais voir. Une accrétion fléau. Et je voulais.
Après, les accrétions fléaux, ça va, je peux. Ouais, ça change pas grand chose. C'est beau, hein? À part mon arme à feu qui est un peu à la bourre au niveau couleur. Pas que. J'ai celle-là que je peux améliorer, mais. On va voir. Ouais, c'est qui? À me prendre. Pour être que en violet, c'est beau, hein. C'est beau. C'est beau, c'est beau. On va mettre 2 points là. En plus, on va avoir sûrement un nouveau. On va avoir sûrement des. En fait, si vous voulez, à part il nous manque 1 point bleu, mais on a 2 points rouges qu'on peut mettre nulle part parce qu'on a tout rempli à part ça. Donc, vous pouvez pas avoir les 4, c'est un choix, vous voyez. Ouais, c'est soit lui, soit lui. Soit lui, soit lui. Après, vous pouvez changer comme vous voulez, mais c'est toujours entre deux. Mais à chaque fois qu'on passe une certaine phase du jeu, on débloque un nouveau rond. Donc, à mon avis, la prochaine fois, à mon avis, ça va avec le gouverneur. Après avoir été voir le gouverneur, on va avoir une. En général, c'est après un gros boss. Et là, on vient de faire le gros boss. Donc, il faut que je sauvegarde. Pas le sauvegarde. Encre noire, vous voyez, ça change l'image à chaque fois qu'on change de. C'est beau, hein, j'adore. Menu principal. Mais vraiment fantastique. Vraiment fantastique ce jeu. Hâte de le continuer la semaine prochaine. Après, je vais voir la semaine prochaine. Je sais pas encore, il faut vraiment que je commence à regarder pour le planning. Pour tout caler sympathiquement. Et là c'est beau. C'est beau, c'est beau. Du coup je vais pouvoir vous remettre les alertes et les petits Pokémon, petit Chocobo pour Skull. J'aime moins sur Skull. Bon des fois j'enlève quand il y a une cinématique mais. Hop hop. Merci à ceux qui restent avec nous, peu importe le jeu, ça c'est génial, merci à vous d'être là. Je vais faire une petite pause boisson quand même. J'espère que déjà la petite session, les 2 petites sessions Persona et Banishers vous ont plu. Hop, hop, petit réglage. Est-ce que j'ai ça qui est lancé? J'ai ça qui est lancé. Hop hop hop. Du coup petite pause, boisson, tout ça, faites de même. Et puis j'arrive pour du Skull and Bones. On va aller en mer un petit peu, ça va être cool. J'essaie d'avancer un peu sur les quêtes principales et secondaires, parce qu'il y a bientôt la saison 1 qui sort. Je me dis que ce serait pas trop mal de. d'avancer un peu là-dessus. Après, bon, vu où elle se situe, mes quêtes, on arrive sur le bout de la carte. Je pense que je suis plus vers la fin des quêtes disponibles pour le moment. Autre chose. Du coup, j'arrive tout de suite, petite pause, bataille royale. Et j'arrive tout de suite, mes petits chocobos.